Cela? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British, British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Aïe, vas-y. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et je vais vous présenter le troisième épisode de Falafel Cinéma. Shimon Peres l'a qualifiée d'ambassadrice culturelle extraordinaire pour l'État d'Israël. Selon lui, elle avait une personnalité unique qui combinait le talent de l'écrivain et celui de comédienne. Vous l'aurez peut-être deviné, je vais vous parler aujourd'hui de Ronit Elkabetz, l'une des plus grandes actrices et réalisatrices israéliennes. Elle naît le 27 novembre 1964 à Beersheva, en Israël, aux portes du désert. Ses parents venaient d'Essaouira, au Maroc. Son père était postier et sa mère, coiffeuse. Elle est alors l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, dont elle est la seule fille. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, elle exerce le métier de mannequin. C'est par hasard, en répondant dans la rue à un casting pour ce qu'elle pense être une publicité, qu'elle décroche le rôle principal d'un film franco-israélien, Le Prédestiné, de Daniel Wachman, en 1990, dans lequel elle interprète le rôle d'Oshra. Elle semble être aussi être prédestinée puisqu'elle enchaîne ensuite avec un deuxième film, Eddie King, réalisé par Guidi Dar. Et bien qu'elle n'ait aucune formation de comédienne, on la remarque tout de suite par la force de sa présence. Cette expérience est pour elle une révélation et plus tard elle déclarera « Je venais de trouver mon toit ». Elle raconte au Forum des images le 3 décembre 2009 le début de sa carrière. On m'a appelé pour une audition, pour, voilà, je pensais qu'il s'agit d'un pub, je suis allée. On m'a parlé d'un grand rabat qui tombe amoureux, d'un Lilith. Et j'ai demandé pourquoi ils font un pub sur un grand rabat qui tombe amoureux d'un Lilith. Parce que moi je viens d'une famille très, très religieuse et ça me paraît très bizarre. On m'a dit non, c'est pas un pub, c'est un feature. Bah, j'ai demandé qu'est-ce que c'est un feature. On m'a dit c'est un long métrage. Alors je dis, bon, comme ça, Ronit, vaut mieux que tu t'aies. Probablement, il y a aussi des courts-métrages, vaut mieux que je retourne chez moi. Et finalement, on m'a dit, voilà, on voit bien que vous ne comprenez pas. Prenez les papiers et revenez demain. C'est tout. Le lendemain, je suis revenue, je fais la queue de toutes les actrices en Israël. J'ai tremblé partout parce que j'ai bien compris qu'il s'agit d'un film, enfin, et pas d'un pub. Et voilà, quand je suis rentrée dans la salle, je raconte toujours que je suis venue comme la divine qui est rentrée en moi. J'étais, pour la première fois de ma vie, j'étais calme, tout simplement. Et voilà, je fais l'audition, je suis partie sous la pluie, pointue. Et c'est comme ça, voilà, le lendemain, on m'a dit, c'est à vous. Et un chemin est ouvert pour moi, un grand chemin que je remercie. Chaque matin, chaque nuit, parce que c'est quelque chose. Vous venez d'entendre Ronit Elkabetz lors de son passage à Paris au Forum des Images en 2009. Ronit Elkabetz joue ensuite dans Shur de Shmuel Asfari, un film événement. Elle y exprime le mal-être des Juifs de la deuxième génération nés en Israël, tiraillés entre leur culture d'origine orientale et traditionnelle et une modernité façonnée par les fondateurs de l'État hébreu, les Ashkénazes donc. En 1994, elle remporte l'Ophir, l'équivalent des Oscars israéliens, de la meilleure actrice dans ce film pour le rôle de Pnima, et le film remporte en tout 3 Ophirs. En 1997, alors qu'elle vient de tourner pour Amos Gitai dans Milim et qu'elle est déjà une star en Israël, elle choisit de tout quitter. Au magazine Elle déclare « En 1997, j'ai quitté Israël du jour au lendemain. J'avais 33 ans, j'avais besoin de couper, pour grandir, pour changer de peau. Pourquoi ai-je choisi la France? Je n'en sais rien. Je ne parlais pas français, je n'y avais aucun ami, je ne connaissais juste les films de Claude Sauté. Mais c'est comme si quelqu'un me poussait physiquement vers la France. J'ai tout laissé derrière moi, mon amoureux de l'époque, des propositions de films.
À Paris, j'étais comme une petite fille de 2 ans. Je réapprenais à parler, à marcher, à exprimer un désir. J'ai fait mon premier stage chez Ariane Mouchkine. Mais faute d'emploi, Ronit Elkabet se retrouve à faire la vaisselle. Pendant que je briquais, mon téléphone sonnait. On me proposait de faire Lady Macbeth ou Cléopâtre en Israël. C'était très irréel ce double emploi, une vie de femme de ménage que j'avais choisie, tandis qu'en Israël, on continuait de me parler comme à une star. Sans la connaître, j'étais amoureuse de cette culture et je savais que pour progresser, il fallait que je la rencontre de près. De toute manière, aussi bien en tant qu'actrice que comme cinéaste, je n'ai pas suivi de formation. Comme disait Victor Hugo, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. J'avais besoin de lutter. » En 1998, j'interprétais Martha Graham au Festival d'Avignon et en 2000, je suis retournée vivre en Israël, apaisée, je me sentais pleinement actrice. Son retour en Israël au début des années 2000 coïncide avec l'émergence du nouveau cinéma israélien sur la scène internationale. Ronit Elkabet devient l'un des visages emblématiques de ce cinéma, engagé, politique, féministe où domine des femmes réalisatrices. En 2000, elle joue un petit rôle dans la série Florentine, dirigée par Ethan Fox. Mais la reconnaissance internationale arrive avec Mariage tardif de Dover Kosashvili, dans lequel elle incarne une mère divorcée et amante passionnée, et pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Thessalonique en 2001. Le film brise le tabou sur la place des femmes en Israël et propose une nouvelle façon directe d'aborder la sexualité. Je vous propose d'en écouter un extrait. He's managed to stay single all these years. But his mother wants him married. And his heritage is steeped in old world tradition. So his entire family will help him find the perfect girl. Vous venez d'entendre un extrait de Mariage tardif de Dover Kosashvili, dans lequel jouait Ronit Elkabet. La caméra d'or est attribuée ensuite au film Mon trésor, dans lequel joue Ronit Elkabet, et réalisé par Keren Yedaya en 2004. Dans ce film, Ronit Elkabet campe une mère malade et désemparée qui se prostitue depuis des années dans les rues de Tel Aviv. Sa fille, Or, fera tout son possible pour la remettre dans le droit chemin. Elle déclare à propos de ce rôle : « J'ai su tout de suite que j'allais prendre le chemin de ce personnage, raconter l'humanité, la misère et la beauté de cette femme. Elle est tellement détachée d'elle-même que le corps crie, pleure, mais elle n'arrive pas à l'entendre. Son regard ne dit plus rien, il s'est éteint. Alors je me suis négligée profondément, à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à l'extrême fatigue. J'aime chercher ce qui saigne et ce qui gratte. » C'était un extrait de Mon trésor réalisé par Keren Yedaya en 2003 mais récompensé donc en 2004 de la caméra d'or au Festival de Cannes. Ronit Elkabet joue ensuite dans des films politiquement engagés comme Alila d'Amos Gitaï en 2002 ou La visite de la fanfare d'Eran Koloririn en 2006. Vous avez bien entendu reconnu dans le générique de Falafel Cinéma un petit extrait de La visite de la fanfare que j'aime tout particulièrement. Ce film retrace le périple de la fanfare de la police d'Alexandrie en voyage en Israël pour inaugurer un centre culturel arabe. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le cortège se perd dans une petite bourgade où Dina, Ronit Elkabet donc, tenancière délurée d'un bar-restaurant, leur vient en aide. Et la musique est composée par Habib Shada. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Thank you.
I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Jahannam. We here in Beit HaTikva, we should be very honored to have the Alexandria Police Orchestra with us. Will your husband agree to that? Once when I see him, I ask him. أرجوكم ما تنسوش إن إحنا هنا بالمصر مصر وأنا بطلب منكم التصرف السليم وإنكم تكونوا مؤدبين. So, will you coffee? Yes. No, please, we're fine. الأنصلية المصرية؟ إحنا محتاجين مساعدة يا فندم. أيام خالفة والزمن. So you and Gary, you never. No. How I look? Very fine indeed. C'est un extrait de la visite de la fanfare d'Eran Kolerin, dans lequel jouait Ronit Elkabetz, et dont la musique était composée par Habib Shada. Elle déclare à la suite de ce film : Je me suis toujours battue pour essayer de donner du sens à mon travail. Je ne suis pas sur terre pour étaler mes jambes à la plage. Je suis une tragédienne. Je me suicide pour les rôles auxquels je crois. Le succès international de ce dernier film lui ouvre les portes du cinéma français. Elle tourne ensuite avec André Téchiné dans La fille du RER en 2008 aux côtés de Catherine Deneuve, mais n'a qu'un petit rôle. Puis elle joue les poses vaniteuses et racistes d'un garagiste dans Jaffa de Keren Yedaya de nouveau. Dans ce film radical, elle interprète le rôle d'une femme forte, raciste et explosive, qui doit faire face au meurtre de son fils par un jeune Palestinien qui entretient une relation amoureuse avec sa fille enceinte. La musique de Shushan nous met tout de suite dans l'ambiance de ce film dramatique. C'est un extrait de Jaffa, réalisé par Keren Yedaya et dans lequel jouait Ronit Elkabetz. Elle tourne ensuite dans le premier long-métrage réalisé par Fanny Ardant, Cendre et sang, dans lequel elle joue une mère qui s'émancipe du carcan familial traditionnel. Je vous propose d'en écouter un extrait. Souvent la nuit, je rêvais de cette maison. Tu ne veux pas qu'on y aille ? Non. Pourquoi ? Je n'ai plus de famille. On y va. C'était un extrait de Cendre et sang, réalisé en 2008 par Fanny Ardant et dans lequel jouait Ronit Elkabetz. Ensuite, pour Pascal Elbé, elle joue une maman turque farouche et déterminée, décidément, dans Tête de Turc en 2009. Et la même année, elle joue l'amante passionnée d'un détenu dans Les mains libres de Brigitte Sy. Côté privé, elle se marie avec l'architecte Avner Yachar en juin 2010 et en 2012, elle accouche de jumeaux, un fils et une fille. Elle coécrit et co-réalise ensuite avec son frère Shlomi Elkabetz trois films inspirés de l'histoire de ses parents. Ce sont les films les plus connus. Le fil conducteur de ce triptyque est le personnage de Viviane, une femme israélienne en quête d'émancipation qu'elle interprète elle-même, un personnage directement inspiré de sa propre mère. Le premier film de ce triptyque concerne les trois jours de préparatifs qui précèdent le Shabbat dans Prendre femme, tourné en 2003 et premier volet de cette trilogie. Un projet mûri en France lors de son exil volontaire dans lequel on assiste au délitement d'un couple en crise. Le second film concerne les 7 jours traditionnels de deuil et ce film qui s'intitule donc Les 7 jours tournés en 2007 est un huis clos centré sur les secrets du clan familial et les relations de la fratrie.
Et enfin, le troisième et dernier, et pour moi le meilleur, 5 années pour Guette, le procès de Viviane Amsalem, qui sort en 2013, un film qui dénonce le système patriarcal et religieux israélien. Ce film raconte l'histoire d'une femme qui souhaite divorcer, mais se heurte à l'intransigeance des rabbins et plus encore de son mari, campé par Simon Abkarian, qui a joué avec elle dans Tête de Turc. Le film connaît un véritable succès, puisqu'il sera nommé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et au Golden Globe dans la catégorie Meilleur film étranger. Shlomi Elkabetz, donc son frère, a dit du film « C'est le procès d'un État et d'un système. L'un des objectifs était que le spectateur devienne témoin, prenne parti et se sente impliqué dans le processus de mise en accusation. » Et je peux vous assurer, pour l'avoir vu, que c'est un film très fort. Je vous propose d'en écouter un extrait. Vous venez d'entendre un extrait de la musique de Guette, le procès de Viviane Amsalem, musique composée par l'artiste Dikla. Sur son rôle, René Elkabetz déclare « J'étais seule à pouvoir marcher dans les chaussures de ma mère et ce fut le rôle le plus difficile de ma vie. » Et sur sa collaboration avec son frère et son lien, elle disait qu'ils étaient unis comme la main et le gant. Passionnée de théâtre, Ronit Elkabetz a aussi interprété Beckett et Shakespeare à Haïfa et à Jérusalem. Elle était aussi très populaire en Israël pour sa participation à plusieurs séries télévisées comme Franco et Spector d'Amalia Margolin et Parashat Hashavua. En France, elle a joué en particulier dans Ubu d'Alfred Jarry, mis en scène par Dan Djemet à Nice, et a interprété le rôle de Pénélope dans Ulysse ou Le retour d'Ithaque de Boto Strauss d'après Homer, dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Elle a joué également dans une série d'anticipation politique belge qui s'intitule Trépalium, créée par Antares Bassis et Sophie Yette et produite par la chaîne Arte, diffusée donc sur Arte en février 2016. Ronit Elkabetz y interprète le rôle d'une première ministre en proie aux difficultés dans un monde divisé en deux. D'un côté, les sans-emploi qui représentent 80% de la population et de l'autre, les actifs qui composent le reste de la population. Je vous propose d'en écouter un extrait. 10 000 inactifs vont être sélectionnés pour aller travailler en ville. Ils seront employés chez certains actifs, choisis au hasard, qui les paieront en conséquence. Mais elle ne peut pas faire un truc pareil. C'était un extrait de la série Trépalium, créée par Antares Bassis et Sophie Yette, donc, et produite par Arte, dans lequel jouait Ronit Elkabetz. Alors que l'actrice travaillait à l'écriture du quatrième volet de l'histoire de Viviane Amsalem et qu'elle avait comme projet un film sur Maria Callas, un rôle dont elle rêvait, Ronit Elkabetz meurt le 19 avril 2016, à seulement 51 ans, emportée par un cancer. Pour le réalisateur israélien Avi Necher, surnommé le Truffaut israélien, Ronit Elkabetz vibrait de toutes ses fibres. Elle était l'une des plus grandes artistes que la scène israélienne ait connue. Je vous propose d'écouter les paroles de Ronit Elkabetz au Forum des images et la passion qui l'animait. Je crois qu'il s'agit de l'individu, de comment vous êtes quand on se réveille chacun avec un tel volonté de parce qu'il faut toujours, quoi qu'il arrive, il faut mener une lutte. C'est jamais facile, c'est-à-dire c'est facile tant qu'on lutte. C'est pas une question d'aller parler maintenant comment ça a été difficile, pas du tout. Moi j'étais trop heureuse à faire tout ce que je faisais, mais je ne pouvais rien faire et rien arriver si je ne me suis pas battue tous les jours, tout au long de chemin. Alors bien sûr, j'étais attirée en Israël par des cinémas qui est social, avec des rôles qui sont très, disons, durs, qui pouvaient, parce que moi, en effet, voilà, je pense à Kerem, parce que, voilà, et les gens
comme il n'y en a pas beaucoup, hein, comme Pierre Yedaya. Mais je veux dire, en tout cas, par l'avenir, je crois qu'il nous attend quelques surprises. Mais moi, je choisis, en fait, je choisissais mes projets avec les sujets, pas les scénarios. Je n'ai pas cherché des bons rôles à jouer, j'ai cherché les sujets avec qui et avec quoi je peux avancer, les sujets qui me tiennent à cœur. En fait, ça m'a pris des années à me dire, voilà, je suis une actrice, je ne suis pas là pour jouer, que pour jouer. C'est-à-dire que j'ai tout le plaisir immense de faire ce métier, mais je voulais toujours avancer et bouger des choses à travers des rôles. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens et finalement un jour de prendre aussi la parole et de créer moi-même ce que... C'était les rencontres et le sujet, et après le scénario. C'est-à-dire le film, il m'importe plus que mon rôle. Je m'inquiétais jamais pour un rôle, c'est-à-dire je m'inquiétais pour le film. Est-ce que le film sera aussi radical pour vraiment essayer de changer quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de mes espérances, autant qu'un être humain, en tant qu'une femme? Là oui, sinon, voilà. Vous venez d'entendre Ronit Alkabetz au Forum des Images en 2009 et la passion qui l'animait pour son travail de cinéaste, intimement lié à son combat politique pour l'émancipation des femmes. Vous pouvez voir le frère de Ronit Alkabetz, donc Shlomi Alkabetz, dans le rôle principal de la série Our Boys, diffusée en ce moment sur Canal+. Shlomi Alkabetz y interprète le rôle principal, le rôle de Simon Cohen, donc, qui enquête sur le meurtre de Mohamed Aboukader. Donc c'est inspiré de faits réels. C'est maintenant que ce podcast s'achève. Je vous remercie de l'avoir écouté, jusqu'au bout, parce qu'il y avait très peu d'extraits en français et même très peu d'extraits des films dans lesquels elle a tourné dans les années 90. Et même après, c'était pas si évident, voilà. Vous écoutiez donc Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Vous pouvez retrouver les articles cinéma et séries sur le blog bilingue anglais Movie in the Air. Je vous retrouve donc l'année prochaine, dans 2 semaines, le 12 janvier. Et je me permets de vous présenter en avance tous mes vœux de bonheur, de succès, de réussite, avec bien sûr une santé de fer. Oh yo, to remember Israel.